Bonjour Julien, comment vas-tu? Je vais bien, merci. So, the last time we talked about, well, we talked about the calendar, ok? Un calendrier. Un calendrier is a calendar. 12 mois. 12 mois. 12 months. Une année. Une année. Une année. It's 1 year. So, I prefer to read this because here we have to reorganize everything. So we have 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. So, janvier, bonne année. Happy New Year. Février, on mange des crêpes. We eat crepes. Mars, c'est le carnaval. The carnival. Avril, c'est le poisson d'avril. April Fool's Day. Mai, on achète du muguet. On achète du muguet. Juin, c'est la fête de la musique. Juillet, je suis en vacances. Août, je suis encore en vacances. Still. That can also mean again, but here it's still. Septembre, c'est la rentrée. Octobre, c'est Halloween. We don't pronounce the H in French. C'est Halloween. Novembre, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Décembre, c'est Noël. So let's repeat again. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. OK? So, we have different, you know, I mean, I sent you the 24-25 track, the 24th and the 25th. You try your best, you listen, you see if you understand some stuff, but the most important here is to remember the month and also, you know, some expressions. Bonne année, on mange des crêpes, c'est le carnaval, c'est le poisson d'avril, on achète du muguet, c'est la fête de la musique, je suis en vacances. Je suis en vacances. Je suis encore en vacances. C'est la rentrée. C'est Halloween. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est Noël. Here we go. So, they are like different things, but the exercises are a bit weird and a tiny bit hard. So I would say, you know, just stick to what I wrote here. That would be easier. Au revoir, Julianne. Passe une très bonne semaine. Have a nice week. Et à la semaine prochaine, and I'll see you next week. Au revoir.